Alors, on en était là. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? C'est un peu le son. Alors, oui, c'est vrai, il y avait le boss qui était là, qu'il fallait qu'on fasse. Alors, préparation terminée, paré à l'éjection. Et alors, on va essayer de voir. Oh putain! Allez, 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 éjecte, éjecte! Putain, mais il me touche cet enfoiré là! Allez, barre-toi! Voilà! Bon, la dernière fois, il lui fallait, ouais, à peu près 9 coups de. 9 ou 10 coups de. Mortier là, de lance-route. Ah bah ça y est, je suis déjà. Non! Il me marave la tête! Oh putain! Ça commence. On recharge. Non, non. C'est pas possible. Non, allez! Mais fais quelque chose! Non! Non! Mais c'est infaisable! Comment tu veux que je fasse? Putain, en plus, j'ai plus de vie, j'ai rien là en vie dans ma caisse, ni rien là. Oh, mais non, non! Allez! Oh mais vas-y, j'ai plus de vie là! Oh, c'est pas possible, c'est impossible! Avec ce que j'ai là, c'est pas possible, je peux pas y arriver! Je me vois même plus, je sais même plus où je tire! Allez! Bah vas-y, t'as qu'à tomber de l'avion aussi! Y'a pas de solution! Je comprends bien qu'il faut essayer de l'affaiblir pour l'éjecter! Mais j'ai beau lui envoyer tout ce que j'ai, ça l'affaiblit pas. Alors, y a un truc, hein. Putain, mais la première fois, ça suffisait. Là, ça suffit plus. Moi, je sais pas faire, hein. C'est infaisable sans... Je sais pas, il me manque une arme, il me manque des soins, il me manque quelque chose. Non! Oh, non, mais là... Bon, les amis, comme vous pouvez le voir... Un petit point s'impose sur Resident Evil. Parce que là, je vous avoue honnêtement, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai balancé toutes les munitions que j'avais. J'ai pas de vie. Je peux pas me soigner contre le boss. Donc, il y a deux solutions qui s'imposent. Soit j'arrête. Soit je recommence le jeu. De façon à économiser des munitions, déverrouiller des trucs qu'on n'a pas eu. Genre, par exemple, je pensais à donner l'hémostatique à la personne qui nous a libérés de prison dès le départ. Peut-être qu'il va nous donner quelque chose. Donc, pour déverrouiller des armes ou garder plus de vie que ce que j'en consomme. Donc, j'ai pas trop le choix. Mais ça, vous allez pas le voir parce que je vais couper à la vidéo. Moi, je recommence ce jeu et on se retrouve au même endroit à ce boss-là quand j'aurai terminé. Allez, moi, j'ai plein de boulot et je vous dis à tout de suite. C'est parti! Allez, on est ok cette fois, on revient, on a du matos, on a de la vie. Et cette fois, on espère que ça va marcher, parce que là, franchement, si ça marche pas, je sais pas faire. Allez. Allez, allez, on y croit. Du premier coup. Pardon, excusez-moi pour le geste. C'était un peu tendu. Mais je suis tellement soulagé. Eh, vous savez quoi, F1. Oh, mais j'ai balancé toutes mes flèches, hein. Oui, parce que j'avais des flèches incendiaires. Donc, voilà. Ça va quand même beaucoup mieux. Oh là 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 là. Alors attendez, parce que je regarde un petit peu, ils ont rien laissé, y a des trucs à dropper ou... Non. Putain, j'y croyais plus. Franchement, au bout d'un moment... What was wrong? Oh, nothing. Just a giant cockroach that had to be stepped on. What's happening? I don't know. The plane just changed direction on its own. L'avion en autopilote. It's flying in autopilot mode. I can't switch over to manual control.
my apologies, but I cannot let you escape now. Tiens, ce rire, je me ferai jamais. Cross-dressing freak. Oh putain, je suis trop content d'avoir réussi ce boss. Oh, petit instant câlin. Avec la bonne musique qui va bien. Bien profiter quand elle dort. Il va te retrouver avec une paire de claques. Oh, ça va. Alors, on est où là? Where are we? Ce que je viens de dire. Huh? Latitude 82.17 degrees. That's the Antarctic. We're over the Antarctic. Hein? What? Those are the seaplanes that left the island right before us. Then that must mean this place belongs to Umbrella. Ça, c'est de l'atterrissage. Ouais, mais j'ai la sauvegarde automatique, mais juste pour le fun. On va refaire ça à l'ancienne. Vas-y. C'était comme ça à l'époque. Et vous vous rendez compte, les cartes mémoire, 8 mégas. 8 mégas, ça représente rien de nos jours. Et dans 8 mégas, on mettait toutes les sauvegardes. C'est incroyable. Incroyable. Démarrage partie 2. Ah oui, la deuxième partie, d'accord. Bien, allez. Envoyons un peu la sauce. Et qu'est-ce qu'on a de nouveau? Même pas une égratignure, les deux, là. Oh. Wake up, Steve. We're still alive. Il y a toujours un sacré coup de pied, hein. Profite pour regarder un peu la zone. Une munition. Wow! Galin! Décidément, elle est pas facile, Claire. Thanks. C'est dur, hein. Allez. Oh, plane's trashed. Eh ben, on en trouvera un autre. Well, let's split up and find another way off this oversized freezer. Right. Tu veux encore te séparer? Okay, let's do it.
en rester ensemble, hein. Bien, enfin, ça y est. Alors, la carte, première chose, qu'on voit un peu où on en est. Alors, waouh, attends, j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Tac, tac. Je peux aller par là. On peut descendre là. On est où là exactement? On est là. D'accord, moi je voulais aller voir là-bas. Voir si vous savez, il n'y a pas des munitions, des machins qui nous mettent. Parce qu'il y a l'impression qu'il y a une porte. Évacuation d'urgence, accès interdit. Bah, c'est peut-être là qu'il faudra revenir. Bien, allez, on avance. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas accès au coffre. J'espère que... pas tomber sur trop de monstres. Alors, attends. Excuse-moi, la carte encore. Ouais, donc on a deux passages, soit là-bas, soit là-bas. J'en sais rien. Premier peut-être. Allez, on tente. On tente, on tente. Ah, je vous jure, pour en revenir à ce boss, je pensais vraiment que j'allais franchement arrêter le jeu parce que j'arrivais pas à le passer, quoi. Alors. Tac. On a une rouge là et une jaune là. Est-ce qu'ils ont pas mis des munitions toujours dans les coins? Alors ça c'est la porte qu'on peut pas aller. C'est celle-là qui est fermée. Voilà, c'est verrouillé. Salle des machines. C'est quand même curieux que en Antarctique aussi le virus T soit répandu alors que normalement il devait être répandu que dans la base, dans l'île où on était. C'est quand même curieux qu'ici aussi il soit répandu. Un petit truc de l'histoire, mais bon, faut se poser la question. Alors. Toi tu fais pas on voit rien. On sait qu'il y a une valise là. Non, ça marche. Non, ça marche. Bon, ça va bien se détacher au bout d'un moment quand je vais toucher un trigger. Allez, là, il y a des balles, là. 131, ça va. Attendez. Oui, ça va. On va peut-être, juste pour économiser, on va peut-être repasser à ça. Parce que les incendiaires, j'en ai vraiment pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, là? Ah, une bleue. Et... j'avais pas vu. Honnêtement, je les voyais pas les plantes par terre. Par contre, ça serait sympa de me donner un coffre. Parce que là, moi, j'avais mis le max pour le boss. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, là, il y a quoi? La machine a découpé le métal. D'accord. Attends, 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 il n'y a pas un truc, le mur, c'est pas une carte? Moi qui ai dit conne. Bon là il va sortir forcément. Non, je présume que ça sera quand on aura utilisé le truc de métal. Le trigger va se déclencher et on pourra avoir ça ici. Ok, donc là il n'y a rien à faire. On commence à connaître un petit peu le jeu là, les déclenchements de trigger là. Pour le moment, ici, il n'y a rien à faire. Je présume qu'on va descendre pour aller à la salle qu'il y avait en bas. Toujours comme ça que ça marche. Alors. Soit l'escalier, soit la porte. Bah avant de descendre, on va continuer l'étage dans lequel on est. On va faire par déduction. Alors. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc par terre parce qu'elle a, elle a penché la tête. Quartier des ouvriers. Il y a bien un truc qui va me tomber dessus. Ouais, il y a un zombie là. Pas d'interaction pour le moment. Bon, il y en a par terre, il y en a partout. Ils vont bien se réveiller quand je vais faire quelque chose. Ah, qu'est-ce qu'on a? Ah! Ça, c'est pas mal. Je le savais! Bah, bien sûr. Fallait s'y attendre. Tiens, des balles sur le lit. Non? Alors, on va tout de suite associer. Comment ça? Bah. Ça
toujours été avec ça. Je comprends pas. C'est comme ça que j'ai fait la dernière fois. Ça avait marché. Ah. Bon. Ma vie est à fond. Ah oui. Du coup. Bah écoute, on va le laisser là. Je peux. Chose de plus là. Pause. Y a pas des munitions là? Bien, il me semblait bien les avoir vues. Ok. Là. Là. Classique. Ah, puis ils sont tous réveillés, hein. C'est incroyable. Voilà. Il s'est réveillé. De toute façon, il donne plein de balles au bout d'un moment. Là, il y a des balles encore. Voilà. Attends. Voilà. Il va se relever. Oui, non. Attends, j'attends que l'autre il arrive. Voilà. Bon. Ouais, voilà. J'ai de la chance d'avoir récupéré cet accessoire. Voilà, c'est bon. Non. Voilà. Allez, ils sont calmés. Bien. Voilà. Allez. Sur le lit, il y avait des munitions, mais je les ai déjà prises. Pourquoi elle arrête pas de tourner la tête, là? Bon, il y a rien. Ok, donc on va voir ici. S'il n'y a pas quelque chose là dans l'étagère, là il y a quelque chose là. Ok, ça c'est fait. Là. Un manuel. Journal de l'employé. Alors, moi qui pensais pouvoir vivre dans un grand rejoignant une grande entreprise comme Umbrella. Ben voilà, chauffeur dans cet endroit paumé. J'ai demandé plusieurs fois à être muté, mais sans effet. On dirait que les prisonniers ont un boulot pénible. Il n'y a aucun moyen d'amuser. Je ne demande pas voir si la mort n'est pas. Les congés ont été annulés. En sous-effectif, Alfred ne se préoccupe pas de nous, il considère. Ah. Un type qui est là depuis plus de 8 ans m'a raconté une drôle d'histoire. Comment peut-on rester 8 ans ici? Il m'a parlé d'un type qui serait enfermé depuis plus de 10 ans dans une cellule de la cave. Putain. On l'appelle Nosferatu. Un programme. Ils sont tous terrifiés. Alors, une terrible grondement venue des profondeurs m'a réveillé vers minuit. J'ai cru qu'on m'a prêté des histoires aussi stupides. Toutefois, je ne vois pas comment quiconque pourrait rester sain d'esprit, hein, et puis si longtemps. Ok. Donc, il se passe quelque chose, évidemment. Sous-sol. Alors, attends. Il y a un truc là. La carte. Bien. Et vous savez quoi? Petite sauvegarde. Voilà. Ça c'est fait. Donc je suis là dans cette pièce. Elle arrête pas de tourner la tête, mais je pense que c'est à cause des. Que c'est à cause des zombies. Alors, une fois que ça c'est fait, maintenant que je suis là, bah, je vais descendre. Ce qui va m'emmener à la carte, mais j'ai pas de sous-sol. On va y arriver. Ce qui est chiant aussi avec ces temps de chargement, c'est que ça tue le rythme du jeu. Donc c'est ça qui est relou. Toutes les 10 secondes, on a un truc qui charge, mais c'était comme ça les anciens jeux. Hein. Les anciennes consoles n'étaient pas aussi puissantes que maintenant. Et tu ne pouvais pas te permettre de stocker des gigas de mémoire en quelques secondes. Quoi. Donc malheureusement, c'était comme ça, il fallait s'y faire. Ça cassait le rythme, mais bon... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Sûrement un monstre qui l'a tué. Non, il s'est fait ça tout seul. Ah, c'est génial. Ah, c'est merveilleux. Attends, mais c'est... D'accord. Alors, attends, déjà, je suis où? Je
Je suis là. 1, 2. On va aller d'abord dans la petite salle avant d'aller visiter le reste. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir de nouveau? Bon, pour l'instant, ça va. On s'en sort pas trop mal, mais j'aimerais bien trouver un petit coffre. Et au moment où je le dis, hein. On va faire un peu déjà. Donc. Pour le moment, on fait ça. On va également ranger plusieurs soins. Ça sert à rien d'en avoir 500. Ça, j'en ai pas besoin non plus. Ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Et je vais juste changer avec ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, je récupère le carquois. Tac, tac. Ce que je voudrais, je me demande si c'est pas ça le problème. Il faut réassocier. Voilà, pour changer ça. Donc ça, je vais le garder. Voilà. Ah ! Il y a un truc que je viens de remarquer. Vous avez vu dans le mur ? Alors, je récupère la plante déjà, merci. Voilà. Vous avez vu dans le mur, on a un truc pour poser une clé. Ça, je présume que c'est pour ouvrir la... Voilà. C'est pour ouvrir la commode. D'accord. Donc là, on n'a rien d'autre à part un ruban encreur, bien sûr. C'est quoi ce bruit qu'on entend depuis tout à l'heure, là ? Alors, attends, il y a encore un carnet. Edouard, mon père découvrit la souche du virus. Un autre aristocrate. Il l'étudie en vue d'une utilisation militaire classique. Leur recherche préforme l'une des mutations du virus, le virus T. Ils font des romans. C'était con pour leur recherche. Après mon diplôme en biogénétique, j'ai fait effectuer un projet secret soutenant les recherches de mon père. J'ai connu les difficultés, ralentissement de mes problèmes. Excusez-moi, je lis vite, hein, mais. Alors, nous perdons charge du terrain face à la concurrence qui est féroce, mais le secteur de la recherche du virus C, j'ai ainsi honoré au nom de notre ancêtre Véronica. Véronica, ou encore le titre du jeu, avait rendu si glorieux. Si rien n'est entrepris, Umbrella disparaîtra sous la coupe de Spencer. Achevez les recherches. Spencer, sans besoin de quoi que ce soit. J'ai finalement saisi de construire un complexe de recherche avancé localisé en Antarctique dans les terminales, les transports que j'ai créés. Chantier de forage. Je pourrais construire une maison en tout point identique au manoir, génial. Tout ce qu'il me reste de Trevor. Charge de souvenirs. Pour des raisons évidentes de sécurité, le projet devait attribuer un nom de code. J'ai choisi l'un des plus célèbres des Hellsforge, Véronica. Je souhaite ainsi honorer. J'espère que mes recherches aboutiront. C'est le résultat. Voilà, on sait maintenant. On avait déjà des doutes avant, hein, d'où venait le titre Véronica du jeu. Bien, ça c'est fait, ça c'est fait. J'ai une plante, on va pouvoir peut-être la ranger au coffre, celle-là. Alors, ça, j'ai de la vie. J'ai de la vie. Bien, allez. On ressort de là. On sauvegarde. Ça mange pas de pain. Bien. Ah putain. Attends. Ouais. J'avais cru qu'elle m'avait pondu quelque chose dans le... Hop. Ah, patate, là. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Alors, attends, il y a une fleur, là, non? Alors, j'ai utilisé l'herbe bleue. Ah, c'est des... D'accord, c'est des trucs qui m'empoisonnent. D'accord. Ok, donc c'est des trucs qui m'empoisonnent et en la récupérant, je peux évidemment me soigner. Alors. Qui se pète complètement. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, on est bien au rez-de-chaussée. Là où j'avais vu. Là. Vraiment attendre qu'il soit complètement relevé. Putain, mais c'est pas vrai! Allez. C'est bon? Allez, ça a l'air d'être bon. Moi, il va falloir que je fasse attention à pas utiliser trop de balles. Alors.
On a une porte là. Je fais un peu le tour. Hein. D'accord. Droite et gauche. Eh ben, comme le jeu veut qu'on commence par là, on va commencer par là. Allez. Qu'est-ce que c'est ? Alors, libération du masque à gaz en cas de fuite de gaz. Qu'est-ce qu'on entend encore ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, dégueulasse ! Non, l'autre. Allez. Putain. Ah mais c'est pas fini. Poison, poison, bah oui, t'es marrant. D'accord, donc là c'est vraiment la... C'est vraiment le truc, les zones antarctiques poison, quoi. Alors, attendez. C'est un truc à visiter. Déjà, on reprend les balles, c'est très bien. Il y a autre chose. Ah, double munition. Très bien. Ah, putain, on voit des trucs par en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Encore un carquois, ouais, vas-y. Et histoire de gagner de la place. Associé. Voilà. On peut monter sur le truc, là. C'est une partie du système de triage. Ok. Là, il n'y a rien. Ah, si. Il y a un truc qui brille, là. Forme de caméra. Pas de barre. D'accord. Un code barre. Bon, là, il n'y a plus rien à voir. On sait qu'on a un masque à gaz à venir récupérer plus tard. Ce serait... Alors, salle suivante. Attendez, je vais quand même aller de ce côté-là, voilà. Quand même vérifier. Au cas où ils aient mis des trucs. Bon, je suis en poison, mais... Ah oui, tiens, on voit un truc là-haut. Okay, donc la machine, il faudra la faire redémarrer. Je suis en poison, mais tant que ça m'indique pas danger, je vais pas prendre de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Le coup classique du zombie derrière la porte. Ah. Pas quelque chose au mur là. Oh. Attends, il se relève. Voilà. Il pompe quand même bien sur les munitions. Hein. Alors. Attendez, il y en a un peu partout là. Il n'y a rien de bien utile. C'est assez sombre hein, quand même. Il est où le zombie là? Je vois que Claire se dirige par là. Il est là. Ah, il y en a deux. Voilà. C'est bon? C'est bon. Allez. Alors, on réassocie. Très bien. Pour l'instant... Bon, là, on voit que Claire commence... Oh putain, mais il y en a encore un! Quelle est la salle de forage? Ok. Alors, attends, je vais quand même prendre le machin parce qu'elle commence sérieusement à tituber. Voilà, santé faible. Allez. Essayer de voir s'il y avait des choses encore. Ah, mais... C'était encore un des deux qui était pas mort, va savoir. Ok, alors j'ai récupéré la clé. Quoi ça? Ah, c'est des missiles. Bon, là, il y a un zombie. Du coup, il va peut-être se réveiller. Ah, il a un truc dans la main. Qu'est-ce que c'est? Un détonateur. Très bien.
Attends, c'est fermé. Les explosifs sont là, mais pas le détonateur. J'essaye, hein. J'ai pas regardé, examiné celui-là. Code barre, étiquette utilisée, tri des marchandises. Bon, initial. Corps et lui, examiné. Rien de bien particulier, quoi. Donateur. Ok, très bien. Donc, alors les explosifs, on sait qu'ils sont là. Il n'y a pas grand chose à faire dans cette pièce, j'ai l'impression. Par contre, alors attendez, on a fait les deux qui étaient là. Ah, maintenant on peut monter, effectivement, regardez la carte en bas, la porte est devenue verte, donc on peut aller là. Allez. Oh, j'ai la gorge qui m'irrite. Alors, essayez de retourner là-bas. Voilà, allez, on va monter les petits escaliers et on va voir ce qu'on a derrière cette porte. Oui, clé de forage. Vas-y, tu peux l'acheter. On n'a pas besoin pour le moment. Par contre, si c'est une zone spé poison, on n'a pas beaucoup de fleurs bleues. Attendez, j'entends rien. J'ai l'air d'avoir d'ennemis. Alors attendez, j'ai pas regardé la carte, c'est vrai. Ah oui, c'est un gros truc là. Donc avant de descendre, allez par là. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ok. Qu'est-ce qu'on a là-haut? C'est des balles, c'est bien ça. Allez, prends l'autre. Ah, mais il y a des fleurs au sol aussi. Et ça, quand il donne plein de soins. Et des plantes. Qu'est-ce que ça va être? Voilà. C'est plus facile maintenant, hein? Alors, la carte, on avait dit qu'on était bon. Alors, associé. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Un peu compliqué, là. Attendez. Tac, tac. Et d'où sors-tu là? Voilà. Alors. Peur, on va tout de suite associer celui-là. Associer ça. C'est assez sombre hein, comme endroit. Hein. Là, pour arriver à voir quelque chose, c'est pas évident. Par contre, il donne plein de soins. Ça pue un peu du cul. Alors. Ensuite, je crois que j'ai une plante par là. Putain. Les barres de merde. Voilà, ça c'est fait. Allez. Donc, on reprend celui-là. On réassocie les balles. Et on avance. L'alimentation est coupée. Allez, on va réactiver le générateur. Hop, c'est dessous. La manipulation toujours extraordinaire de Resident Evil. Allez, on active le levier. Voilà. On active le générateur. Tac.
on active l'interrupteur et que la lumière soit. Bien. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Du coup, oui, je me suis dit... Je n'avais pas fait une petite pièce qui était derrière la pièce de sauvegarde. Donc, je vais aller faire ça tout de suite. Parce que si ça se trouve, il y a quelque chose qu'il y a derrière que j'ai pas. Donc, on va aller vérifier ça de suite. Regarde. Aïe. Normalement, j'ai bien nettoyé la zone. On va pas trop avoir de problème. Allez. Bon, normalement... Ah oui, c'est vrai, je les avais oubliés ceux-là. Ah oui, dès que je vais vouloir changer de... Voilà. Je crois qu'il y en a un autre. Et c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Voilà, les trois sont morts. J'espère qu'ils repopent pas. Alors, attends. On va réassocier. Voilà. Ah! Voilà. Je le savais. Je le savais. Bon. Ok, il y a un zombie dedans. Un rat. Blanc. Ok. Finalement. Alors, qu'est-ce qu'on avait là? Alors, lettre du majordome. Excusez mon indélicatesse, mais je suis annoncé mon départ soudain. Ok. J'ai desservi votre père, j'ai longtemps partagé les joies et les peines de la famille. Lord Alexander disparaît il y a 15 ans, il est venu à la tour de mon bien-aimé Alexia. Malgré votre jeune âge, vous fûtes forcé de devenir un sens de réalité qui pourrait vous en blâmer. Je ne peux rien faire pour approcher votre fardeau, j'ai besoin d'un. Atteinte à la mémoire d'un bien-aimé, Lord Alexander. Autre monde. Majordome de la famille. Ok. Il y a un bouton. Vas-y, appuie. Il y a un truc. C'est quoi? C'est un ascenseur, ça? Sauvegarde. Qu'est-ce qu'il y a dessous, là? Oula! J'ai l'impression que c'est encore un boss qu'on va devoir se taper. Alors, un pot à plantes. D'accord. Et si on peut mettre n'importe quoi dedans ou... J'essaye, hein. On peut pas. Ok, donc on peut rien faire de plus. J'enregistre. Je vais du coup libérer un peu de place dans l'inventaire. Mais non. Moi, ce que je veux, c'est juste ouvrir le coffre. Ah là 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 là. Allez, 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 plus vite. Ils ont mis les deux côte à côte. Alors. Le four. Le détonateur, pour l'instant, je m'en fiche. Et la plante aussi, et allons-y pour le code barre, tant qu'à faire. Bien. Parce que c'est pareil au début. Alors attendez. Parce que dans les toutes premières salles, il y avait un truc. Je ne me rappelle plus. Bien. Ouh, c'est pas très dynamique là, hein. Oh, on s'endort, hein.
Allez, 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 allez. Oh, qu'est-ce que c'était? Il y a des fois, franchement, on s'endort presque hein, tellement il n'y a pas d'action. On va y arriver. On va y arriver. Donc, maintenant que j'ai tout ouvert, est-ce qu'on peut aller là? Alors, apparemment, il y avait une échelle, un truc... Là. Les décors quand même relativement vides. Oh, d'accord. Tous les coups. Gaz toxique. Bah là, il n'y a rien à faire. Alors, est-ce que c'était ça, l'astuce? Est-ce que c'est ça, l'astuce? Ah, ça y est, ça se déverrouille enfin. Gaz anti-AB manipulé avec précaution. D'accord, et comment je le récupère? Est-ce qu'il faut rebaisser? Voilà. On va y arriver. Ok. Je sais toujours pas ce qu'il faut faire. Ah, oh, c'est... Ok. C'est pas ça, apparemment. Utilisez le code barre. Voilà. Vous avez collé le code barre. Ah, ça y est, il fallait deviner qu'il fallait le coller là. Donc là, le chemin se passe. Très bien. Et on le récupère où? Apparemment, il y a quelque chose, c'est vrai que j'ai pas regardé, sous le pot. Là. Ok, allez, on y arrive. Là, c'est la clé de la salle des machines. Ah! Enfin, pouvoir avancer un peu. Le truc, c'est que la salle des machines, elle n'est pas du tout ici. Putain, il va falloir que je repasse encore par les papillons, mais c'est pas possible. Et on doit voir ce qu'on peut trouver. Alors. Ah, la fameuse roue. Ok, ça, c'est fait. Il n'y a rien d'autre à faire là. Tout ça pour ça. Il n'y a rien. Ok, très bien. On a la roue, je sais où est-ce qu'il faut la mettre. Putain, faut encore repasser par les papillons. Putain, c'est pas possible. En fait, c'est un endroit fait exprès. C'est un endroit à chaque fois fait exprès.
Claire, it looks like there's an Australian observation base about 7 miles away from here. That should be our target. Then if we can break through the wall with that digging vehicle, we might have a chance. Okay, let's do it! Avec la foreuse, c'est une très bonne idée, mais j'ai quand même la désagréable sensation que ça va pas se passer comme on le prévoit. Regarde bien, il va regarder son popotin. J'en étais sûr. Eh oui, t'inquiète pas qu'elle est belle. Steve, watch out! Et oui, il a été distrait par le joli popotin de Claire. Alors, on va couper le masque à gaz et aussi couper le gaz. It's all my fault. Don't say that. Listen to me. We'll escape from here. Together. Come on. We've got to shut off the gas. If we split up, we'll have a better chance of stopping it. Okay. Steve! Don't forget. We'll get out of here. Together. Ok. Bon, là, il n'y a plus qu'à.